Mon environnement, en gros, c'est la cité Emmaüs à Aulnay-sous-Bois. Et ouais, évidemment, c'est un endroit qui, de près ou de loin, fait un peu ce que je suis, en vrai. Je sais que si j'avais grandi en Poitou-Charentes, je serais un autre drôle d'oiseau, tu vois. Je serais un oiseau aussi, mais je serais un autre oiseau, tu vois. Je serais pas le même. Et ouais, bien sûr que les rencontres, l'environnement, même le quartier, en vérité, c'est une espèce de culture aussi, tu vois. Et ouais, je sais que ça a influé sur la personne que je suis, sur l'enfant que j'étais, l'adolescent que j'ai été, l'adulte, etc., etc. Moi, j'espère que je serai pas un grand-père d'Aulnay, tu vois, mais je sais que ouais, ça a beaucoup influencé la personne que je suis, tu vois. Bah gros, déjà le foot, ça m'a appris à me sortir de quelques préjugés en vérité. Je pense, moi, jusqu'à mes 15-16 ans, j'ai jamais dépassé ma cité quasiment. Je suis jamais sorti d'Aulnay, ça veut dire que je voyais que le même type d'être humain. Et de jouer au foot, quand tu commences à jouer à des petits niveaux, genre régionaux et tout, tu rencontres des clubs d'autres villes. Et j'ai été surpris de voir d'autres populations que juste nous, les Rebeux, les Renois de cité, jouer au foot et être fort. Et ça a commencé à me faire comprendre que, gros, le quartier, c'est grave pas représentatif de ce qui se passe dans le monde. Mille et une choses à voir et tout, et ça a commencé à m'ouvrir un peu sur le monde. Après, bien évidemment, t'apprends les délires de partage, de machin, tu vois, le foot, ouais, c'est un sport collectif, donc ça te met des notions qui sont pas spécialement des trucs que t'apprends quand tu grandis dans un quartier que tu connais déjà un peu, mais ouais, voilà, ça te remet dans ce truc-là. Tu sais, même par rapport à l'histoire que j'ai, je pense que les gens, et c'est logique en vrai, ils m'affilient de ouf à la grunt. Même là, aujourd'hui, on me demande à quoi une nouvelle grunt. Et ils croient que je suis programmateur, les gens. Tu vois, ils croient que c'est moi, je décide. Tiens, je vais me mettre une grunt là en mars. Ouais, maintenant, les gens, ils m'affilient beaucoup à ça, parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on m'a découvert, entre guillemets, la première grunt. La grunt de Giorgio, je crois, la grunt 11, c'est en 2013 déjà. Et voilà, il y avait des têtes un peu, tu vois. Il y avait Georges, il y avait Giorgio, il y avait Nekfeu, il y avait déjà Alpha, il y avait déjà Lompal, il y avait déjà du beau monde, tu vois, 2R et tout. Et les gens, ils m'ont découvert sur Internet ce jour-là. Je rappais au quartier, j'avais rien sorti sur Internet, donc personne ne pouvait tomber sur moi. Et voilà, je sais que c'était le début d'une belle aventure, là, cette grunt. Après, j'ai fait la grunt de Sopico, 75e session. Ça m'a trop fait plaisir qu'ils me proposent d'en faire une, tu vois. Je me sentais même pas légitime. Je me disais, en général, les mecs qui ont fait des grunts, c'est des mecs quand même, ils ont un petit buzz, ou ça parle d'eux et tout. Je dis là que je la mérite vraiment et tout. Puis après, dès que c'est parti, c'est parti. C'est un de mes moments préférés, je crois, depuis que je fais du rap, tu vois. J'ai trop kiffé l'affaire.